Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi la pièce est plongée dans le noir? Milky, coucou mon petit rongeur! Comment es-tu sorti de ta cage? Viens ici! Oh, je suis contente que tu aies attrapé ce petit diable-ci! Samy, tu exagères! Comment peux-tu appeler ce petit être tout doux un diable? Ces petites farces sont une vraie torture! C'est un fan des Rainbow Friends! Oh, c'est pas vrai! Et qu'est-ce que je dois faire de toi? On n'a qu'à faire un labyrinthe de hamster tellement cool qu'il ne pensera même plus à t'embêter! Ah ouais, super idée! Je vais monter les obstacles les plus difficiles de tous les temps! Coucou les amis! Cela fait un bail que nous n'avons pas construit de labyrinthe de hamster et je suis même prête à sacrifier mes décos les plus sympas! Nanana! Qu'est-ce que tu racontes? Quelle déco? Je croyais qu'on allait peindre les murs de manière uniforme tout simplement! Tu sais quoi? Qui a dit qu'on ne pouvait pas mixer tes idées aux miennes? Ajoutons le reste des murs et le sol. Et nous obtiendrons la première pièce. Ouah, si, ça me plaît beaucoup. Laisse-moi regarder de plus près. C'est par ici que Milky entrera dans le labyrinthe. Il y a de la place pour toutes sortes d'obstacles. Et ça, c'est la sortie de cette pièce. En parlant d'obstacles, puisque notre Milky aime tant les Rainbow Friends, pourquoi ne pas y placer des personnages de ce jeu vidéo? Il suffit de les découper et de les mettre dans des petites boîtes. Alors, c'est du génie! Cliquez sur j'aime si vous êtes d'accord avec moi. Ah, je vais t'attraper! Tu mets aussi! Tu es de mèche avec Milky! Désolée, Samy, je n'ai pas pu résister. Et le dernier ici. Génial! Ok, ok. Je vais te faire peur à toi aussi, Suzanne. On ne peut pas faire l'entrée sans une réception. Nos Rainbow Friends semblent aimer les couleurs. Et nous mettrons aussi des boîtes toutes simples comme dans le jeu. Mais avec une petite surprise à l'intérieur. Ah, Samy, j'ai tout renversé à cause de toi. C'est encore plus cool comme ça. Tu trouves pas, Blue? Tu crois? Bon, d'accord. Donne-le-moi. Allez! Blue va se tenir ici pour indiquer où aller ensuite. Et qu'est-ce qu'il y aura là? Quelqu'un de dangereux avec des dents pointues? Ou des mains qui t'attraperont par derrière? Non, juste des pompons tout doux et multicolores. Oh, mais ça suffit maintenant! Tu te moques de moi, Suzanne? C'est ça tes terribles obstacles? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu combien il y en a? Psst! Hé, les amis! Vous voulez voir quelque chose de drôle? Je vais cacher ce jouet ici. Samy, viens voir le résultat. Ok. Oh, quel joli pompon. Oh, Samy, tu prends si facilement peur que je ne peux pas m'en empêcher. Quoi? J'ai juste glissé. Je n'ai pas eu peur. Si tu le dis, petit casse-cou. Samy, on discute, mais regarde. Nous avons fini notre première partie. Il est donc temps de passer à la deuxième. Et voici le tout premier obstacle pour Milky. Un tunnel à ressort. J'adore les ressorts arc-en-ciel. Youpi! Et pendant que Sue le met en place, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et le reste des pièces, Sue! Après le tunnel, Milky entrera dans un labyrinthe de tuyaux. Et hop! Et pourquoi le tour de magie n'a-t-il pas fonctionné? C'est juste que pour travailler avec les tuyaux, il faut le spécialiste Mario. Je veux dire Sabio. Allons-y, encore un peu ici et voilà qui est fait, Señorita Bella. Ouah, fantastique! J'espère que Milky en sortira sans boussole. Mais ce n'est pas fini. Laisse-moi te montrer une autre astuce. Hop! Enfin! C'est une montagne à grimper pour sortir. Je n'en crois pas mes yeux! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Mes amis, restez avec nous! Ok, ça devrait être sans danger. Milky ne peut pas tomber ici. Waouh! Une partie à deux étages? Tu es sérieuse, Sue? Bien sûr! Tu ne voulais pas occuper le hamster le plus longtemps possible avec le labyrinthe? J'y travaille, figure-toi. Il nous faut beaucoup d'obstacles difficiles. Exactement! Et tu penses qu'un simple toboggan est un obstacle difficile? Oh, regarde! Je viens d'arriver en haut en un rien de temps. Cliquez sur j'aime si vous aussi vous aimez les toboggans. Tu pourras tout remettre en place. Et moi, je m'occupe du mécanisme. Tu as parlé de mécanisme? Oui, pour faire tourner le manège, il faut vérifier. Et voilà, ça fonctionne. Génial! Je ne pense toujours pas que ces obstacles soient suffisants, si. Voilà! C'est beaucoup mieux. Il ne reste plus qu'à attacher ceci et notre troisième partie est prête. Et notre Milky glissera pour aller encore plus loin. Mesdames et messieurs, je vous présente maintenant la partie numéro 4. Quoi? Désolée, une petite seconde. Encore une fois, la partie numéro 4. Merci, merci, je l'ai conçu moi-même. D'abord, le hamster doit traverser le triple pont suspendu, au-dessus de pointes dangereuses et menaçantes. Samy, qu'est-ce que tu racontes? Ces pointes sont plutôt douces en réalité. J'essaie de créer une ambiance, si tu permets. Ok, très bien. Voilà qui est mieux. Après notre descente de rouleau qui tourne, notre héros arrivera au toboggan métallique.
En réalité, ce n'est qu'un motif. L'obstacle est en carton. Oh là là, Suza, tu as encore quelque chose à redire. Non, 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 désolée, Samy. Continue, je t'en prie. Donc, Milky devra traverser ces quatre murs. Et voilà! C'est la fin! La partie suivante est une pièce avec un sous-sol. Milky devra traverser ces tunnels et ensuite... Ta-da! Oh, mais où sont passés les obstacles? Et Strike! Qui est le plus intelligent? Moi! Youpi! Samy, pourquoi est-ce que tu as mis le bazar? Oh, allez! Je pensais que tu n'avais pas encore fini. Regarde le sol, il est plein de trous! Mais oui, idiot! C'est l'objectif! Milky va non seulement contourner les cubes, mais aussi éviter de tomber dans les trous! Comment fais-tu pour avoir autant d'idées? Les amis, soutenez notre scie en cliquant sur j'aime! Et voilà! Et cette partie est également terminée! Mais notre hamster ne s'en sortira pas si facilement! Oh, bon sang! Un petit massage du dos, c'est toujours agréable! Hop! Bon, on a vérifié le mécanisme et il fonctionne! Milky passera par ici et montera ensuite les escaliers jusqu'au deuxième étage! Et là, il devra... Hop! Sauter par-dessus tous les obstacles! Hop! Le hamster passera par là-haut. Il ne peut pas sauter aussi haut que toi. Alors laisse-le prendre le ressort. Je l'ai vu quelque part dans le coin. Ah, je m'en souviens! Le voici. Qu'en dis-tu, si? Oh, ça va nous être très utile. On verra comment Milky va s'y prendre pour sauter dessus. Samy, il ne sautera pas enfin. Mais avec tes idées, tu m'as inspiré pour une nouvelle partie. Waouh, si! Une mini-pièce à trois étages. J'espère que Milky n'a pas le vertige. À en juger par le ton de ta voix, je suis sûre que tu serais content qu'il le soit. Donc, au premier étage, nous allons installer des barrières. Suzanne, notre Milky est un hamster intelligent. Cet obstacle n'est pas un peu simple. Eh bien, rendons-le plus difficile. C'est assez difficile pour toi. Et ici, nous placerons des champignons mécaniques. Samy, où est le matériel? Quoi? Des champignons mécaniques? Je ne comprends pas. Je n'ai trouvé que ça. Tiens. Super, merci. Alors, comment c'était? Non. Essayons différemment. Waouh, ça a marché! Et nous avons besoin de trois champignons de ce type. Incroyable, c'est tout simplement génial! Mais moi aussi, je suis capable de faire une partie moi-même. Regarde ça, si! Encore un petit peu! Waouh, les amis, regardez ces superbes murs! Et voici les obstacles! Peux-tu m'aider à les arranger, Suzy? Bien sûr! Pendant ce temps, je vais aller voir notre ami rongeur. Je vais mettre ce mur comme ça. Et là... Oh mon Dieu, Samy, que s'est-il passé? Est-ce que tu vas bien? C'est encore Milky! Il m'a fait peur avec la biscuit! Oh, pauvre Samy! Ok, on n'a qu'à lui faire peur à lui aussi. Ça lui apprendra. Et il ne s'attend certainement pas à ça. Eh bien, ça ne sera pas facile de passer à travers de tels gardiens. Oh, Suzy, c'est génial! J'adore! Testons-le! Youpi! Je crois qu'on aurait plus de succès avec des friandises pour hamster. Il les adore. Mettons-les ici. Voilà. Qu'est-ce que je te disais? Tu es un petit malin, Milky. Puisque tout est en place, nous pouvons commencer. Et la première partie, c'est la réception arc-en-ciel. Bon, il n'a pas apprécié les personnages dans les petites boîtes. Attends, laisse-le s'habituer au labyrinthe. Milky, notre boule de poils dans un tas de boules de poils. Faisons-lui peur. J'espère qu'il va se rappeler comment courir dans la roue. Continue! Allez! Vas-y, Milky! Et Milky se retrouve dans le tunnel! Hurrah! C'était du rapide! Oh! Le pipeline! Oh! J'ai vraiment fait de mon mieux pour qu'il soit complexe et sinueux! Hé! Hey, il triche! Il l'a contourné! Calme-toi, Samy! Ce hamster est très intelligent! Et tu le savais! Allez, tu y es presque! Bien joué! Oh! Regarde-tu! C'est ton coin escalade! Il a l'air d'aimer ça! Et on redescend! On dirait qu'un petit régime ne lui ferait pas de mal! Ne t'inquiète pas, il n'aura qu'à s'exercer un peu sur notre manège et il perdra vite quelques grammes! L'ascension se poursuit et c'est parti pour la prochaine étape! Oh, regarde comme le pont tremble! J'aurais eu peur à sa place! Heureusement que Milky tient de moi! Il n'a peur de rien! Champion! Pour l'instant, il va plutôt vite et très gracieusement. Et même ses faux toboggans métalliques ne l'ont pas arrêté. Bien, bien, voyons ce qu'il fera plus loin. Ha! Je le vois. Regarde, regarde! Il est vraiment adorable. Je me demande à quoi il pense maintenant.
probablement à sortir d'ici et à se venger de toi, Sam. Pardon, c'est toi qui as créé tout ça. Tu as entendu ça, Mickey? Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Hé, attention! Ouf, il a failli tomber. Encore un peu? Oui, allez, Milky! Vas-y, Milky! Ah, quelqu'un est sur le point de se faire masser le dos! Sammy, tu as vu ça? C'est un vrai pro! Et qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Ah, trop facile! Je ne sais pas. Sur ce ressort, il faut être... Pfiou! Attention! Tu as vu ça? Il a failli se coincer la patte! Ouais, j'ai vu! Pourquoi es-tu si inquiète? Il est déjà presque arrivé! Oh! J'adore quand il se penche comme ça! Hé, où vas-tu? Oh! Oh non! Suzy, il a tout cassé! Allez, Sammy, on réparera ça plus tard! Oh! Regarde, il a décidé de tricher encore une fois! Quel hamster rusé! Et c'est ainsi que Milky s'échappe vers la ligne d'arrivée! Oh non, c'est un cul-de-sac! Mais Milky retrouve son chemin! Il y a vraiment beaucoup de Rainbow Friends ici! Il est contourné! Et il a réussi! Hurra! Eh bien, Milky, maintenant, tu ne me feras plus peur! Bouh! Viens ici! Merci d'avoir été avec nous, les amis! Cliquez sur j'aime si vous voulez plus de vidéos de hamsters! Et n'oubliez pas de parler de notre chaîne à vos amis! Au revoir!